Le régiment inter-amérique de Fadangourma a un nouveau commandant. Le colonel Adama Ouédraogo a pris le bâton de commandement de cette unité militaire au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée jeudi dernier. Le nouveau chef de corps a exprimé sa volonté de donner un second souffle au RIA en s'appuyant sur tous les soldats sous son commandement. Reportage à Fada, Désiré Ilboudo, Chantal Ouédraogo. Un cérémonial militaire ici au 34e régiment inter-armes RIA qui marque la prise de fonction du nouveau chef de corps, le colonel Adama Ouédraogo. Revue de troupes et parades militaires ont aussi marqué ce testant de passation de commandement. C'est ceux qui sont passés avant moi. Ils ont posé les jalons pour le commandement du corps et c'est mon devoir de m'appuyer sur ces jalons-là pour apporter ma petite contribution afin que puisse marcher le travail et aussi que nous puissions exécuter les missions qui seront confiées par l'échelon supérieur. Par ailleurs, le colonel promet mobiliser l'élite jeune du RIA pour faire face de manière efficace à la menace sécuritaire. Je vais m'appuyer surtout sur la... Vous savez, ce sont des jeunes qui sont aux avant lorsqu'il s'agit donc des attaques et autres. Il faut mettre un accent particulier pour ces jeunes-là, les sensibiliser, les faire comprendre qu'il y a une situation assez particulière pour le pays et qu'ils doivent faire des efforts pour donner le meilleur de... Titulaire d'un diplôme de commandement de peloton à l'école militaire d'Odessa en Ukraine et d'un diplôme de traducteur de la langue russe, Adama Ouédraogo a aussi occupé plusieurs fonctions militaires et participé à des opérations au Niger, au Libéria, au Darfour et dernièrement auprès de la force Barkhane en N'Djamena.